La team, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Les gars, aujourd'hui je vais vous partager une faille qui est sûre à 100%. Oui, je dis bien à 100%. Parmi toutes les failles que j'ai eu à présenter sur la chaîne, cette faille-là est la meilleure parmi toutes ces astuces-là. Mais c'est une astuce qui ne se présente que peut-être une fois, deux fois chaque heure. Donc reste attentif, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux bénéficier vraiment de l'astuce, car c'est vraiment une pépite d'or. Ok? Mais si c'est ta première fois aussi de tomber sur les vidéos de cette chaîne, mon gars, tu sais, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines fois et les prochaines astuces pour gagner de l'argent sur OneSbet, Betwinner, bref, gagner de l'argent sur Internet est mon domaine. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner, activer la cloche de notification. Ok, donc ici, le jeu se trouve dans la section e-sport et je vais cliquer sur e-sport virtuel et je vais cliquer sur... Ok, je vais cliquer sur Baccarat. La faille se trouve dans le jeu Baccarat. Ok, ici il y a des jeux qui se terminent déjà, donc on va cliquer sur ce match là. C'est pas encore commencé. Ok, je vais te laisser aussi le code promo pour t'inscrire, que ce soit sur Betwinner ou OneSbet, juste dans la description de la vidéo. Une fois après ton inscription, tu auras directement 200% de bonus sur ton premier dépôt et ensuite tu vas recevoir des remboursements sur chaque perte. Donc n'hésite surtout pas à utiliser ce code promo là, c'est juste dans la description de la vidéo. Ok, ok, ce match là c'est déjà terminé. Donc comme je vous ai dit, c'est une astuce qui ne se présente que peut-être 2-3 maximum 3 fois chaque heure. Donc nous allons patienter, nous allons voir avec ce match là si ça va arriver. Donc avant que ça ne commence, je vais essayer de t'expliquer ça vite fait. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord venir ici, ok, et je vais cliquer sur total 2, je vais épingler, ok, total 1 aussi je vais épingler, ok. Donc une fois que j'ai épinglé, donc les totaux sont déjà en haut on a total 1, en bas on a total 2. Donc ici le principe il est très simple, quand le match va commencer, très généralement avec le jeu Baccarat, donc c'est le jeu entre deux personnes. Donc il y a le joueur et puis il y a le banquier. Donc ici ce que nous allons faire, quand le match va commencer et que c'est celui-là qui va dominer et que celui-là a par exemple à 0, donc ce que nous allons faire, nous allons automatiquement prendre total 0, ok. Donc ici je vais prendre total 2, je vais prendre 0,5, ok, total 2, il faudra être très rapide, 0,5, je pense pas s'ils vont me laisser le temps de placer, mais ça va marcher quand même. Oh désolé, que je voulais placer, je voulais pas placer seulement 10 000 francs, ok, mais ça va marcher à tous les coups. Donc le match n'est pas encore fini, mais nous allons attendre. Ok, qu'est-ce que je dis, donc tu vois que quand le match a commencé, celui-là il était à 7 et celui-là avait 0, donc automatiquement j'ai pris total 2, j'ai pris 0,5 buts dans le match. Donc si je vais dans historique de Paris, tu vas voir que ça a marché avec succès. Donc je clique dessus, j'ai cliqué dessus, oh merde. Je voulais placer 100 000 francs, j'ai placé que 10 000 francs. Donc, j'ai fait seulement un bénéfice de 3600. Merde. Ok, donc nous allons essayer avec un autre match. Tu vas voir que ça va marcher à tous les coups. Donc, en attendant que ce coupon soit payé. Ok, donc tu vois, ils ont écrit gagné. Ils ont écrit ici gagné. Donc, je vais aller sur un autre match. Ok. Donc, je vais cliquer sur ce match-là et... nous allons essayer de jouer sur ce match aussi. Avec cette astuce là, il faudra être très rapide les gars. Ok, n'hésite surtout pas à utiliser le code promo qui est juste dans la description de la vidéo. Donc une fois que tu vas cliquer sur le code promo, tu auras vraiment beaucoup d'avantages, que ce soit sur Betwinner ou sur OneSbet. Ok, donc nous allons patienter que le match commence. Ici, comme je te l'ai expliqué, c'est très simple. Quand le match va commencer et que c'est le joueur qui mène, mais le banquier n'a pas encore marqué, donc tu prends automatiquement total 2, total sur le banquier, tu prends 0,5 buts dans le match. Ok, 0,5 buts dans le match ça marche, 1,5 buts aussi dans le match ça marche. Mais si ça commence et que c'est le banquier qui mène et que le joueur n'a pas encore marqué, je dis bien s'il n'a pas encore marqué, ce que tu vas faire, tu vas directement prendre total 1 plus de 0,5 ou bien total 2 et total 1 plus de 1,5. Donc ici tu vois que le match il est déjà fini. On va essayer avec ce match là. Ok, prends le temps de t'abonner les gars, prenez le temps de vous abonner, activez la cloche de notification et surtout les gars, likez et partagez la vidéo. C'est ce qui m'encourage aussi à vous fournir des contenus extraordinaires. Ok, donc on va patienter, espérons que avec ce match là nous allons avoir la chance de miser. Ok,
Ok les gars, donc avec ce match aussi, nous n'avons pas eu de chance. Donc le jeu est terminé dans 7 à 1. Donc ici, nous n'avons pas vraiment eu la chance de placer sur ce pari-là. Donc ici, le principe est très simple. Tu fais exactement comme je l'ai dit. Par exemple, si le match commence et que c'est le joueur qui mène et que le banquier n'a pas encore marqué, je dis bien si il n'a pas encore marqué, donc tu prends automatiquement plus de 0,5 sur le banquier. Mais si ça commence et que c'est le banquier qui mène et que le joueur n'a pas encore marqué et que le match continue, donc tu prends automatiquement total plus de 0,5 pour le joueur, ça va marcher à 100%. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce en l'air. On se dit à ciao pour une toute nouvelle vidéo.